Bonjour à tous, c'est Magloire. Petite vidéo rapide pour annoncer une nouvelle grave, une nouvelle triste. Un incendie a ravagé l'imprimerie de la mission catholique de Kisantu. Aux premières heures du matin du 11 juillet 2023, un incendie d'une violence inouïe s'est déclaré à l'imprimerie de la mission catholique de Kisantu, située à la mission, en face de l'évêché. C'est la SODAC, la société de distribution d'art graphique que tout le monde connaît à Kisantu. Les flammes ont englouti les installations, laissant derrière elles des décombres fumants et une grande incertitude quant à l'avenir de cette entreprise cruciale pour la communauté. Les causes exactes de l'incendie demeurent inconnues à ce stade. Bien que l'hypothèse d'une origine électrique soit envisagée, une enquête approfondie sera nécessaire pour déterminer la véritable cause de ce désastre. L'imprimerie, autrefois connue sous le nom d'imprimerie Saint-Ignace, avait récemment investi dans des équipements modernes afin d'améliorer et d'élargir sa gamme de produits. C'était l'une des principales unités de production du diocèse de Kisantu. La SODAC, qui emploie une centaine de travailleurs dévoués, subit désormais les conséquences tragiques de cet incendie. En plus de l'imprimerie, ces installations abritaient aussi une partie des bureaux et des entrepôts de la centrale d'achat et de distribution des médicaments de Kisantu, laquelle centrale d'achat approvisionnait tous les centres de santé de la zone de santé de Kisantu. Malheureusement, l'ensemble du bâtiment a été entièrement détruit par les flammes dévastatrices. La perte de cette imprimerie aura des répercussions significatives sur le diocèse et sur la communauté. En ce qui nous concerne, au journal de Kisantu, notre version papier du journal de Kisantu était imprimée par la SODAC. Et on ne pourra donc pas produire dans les semaines à venir. Et cela va laisser un vide dans l'information locale. Les témoignages vidéo capturés par les témoins sur le lieu attestent de la violence et de l'ampleur de l'incendie. Ce tragique incendie met en évidence l'importance cruciale des mesures de sécurité incendie et soulève des questions sur les protocoles en vigueur dans les installations industrielles de la région. Il est essentiel que des mesures appropriées soient prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir. La mission catholique de Kisantu, le diocèse de Kisantu, fait face à un long chemin de reconstruction, mais avec la solidarité et le soutien de la communauté, elle pourra renaître de ses cendres et retrouver son rôle vital au sein de la vie locale. À cette étape, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire face à la tragédie? Nous proposons d'organiser une collecte de fonds afin de contribuer à la reconstruction de l'imprimerie, mais aussi afin d'apporter de l'aide à ces travailleurs qui se retrouvent sans emploi. Nous sommes au mois de juillet, en fin août, septembre, ils devront faire face à la rentrée des classes et c'est quand même une catastrophe pour beaucoup parmi eux. Merci de votre attention et à la fois prochaine. C'est tout les murs. Ah, murs. Ah, les bijoux de la diocèse. Ah! Ok, on attendait comme il veut.